Ce matin, c'est une planque déterminante. L'occasion pour les hommes de la BAC de mettre enfin un terme à un important trafic d'héroïne. Ils répètent chaque détail de l'opération. Apparemment, c'est là où ils vont le plus. Une surveillance délicate où le moindre faux pas pourrait coûter cher aux enquêteurs. Leur objectif, observer et traquer des dealers qui leur filent entre les doigts depuis plusieurs jours. Ce sont les deux frangins maintenant. On les a perdus à la gare. Soit on s'est fait lever, soit il y a eu un autre truc, ouais. Et ils ont disparu. Derrière ces hommes se cacherait une mafia étrangère aux multiples ramifications, capable d'écouler près de 2 kilos d'héroïne chaque semaine. D'accord. Mais grâce au coup de fil d'un indique, les policiers ont cette fois-ci un coup d'avance sur les malfaiteurs. Tout le monde a eu l'info, donc tout le monde va aller là-bas, quoi. Donc je vais voir de l'activité, certainement, si je me pose. Ok. Une transaction doit avoir lieu aujourd'hui sur le parking d'une station de lavage. Une occasion rare pour découvrir qui sont ces hommes et surtout où ils cachent leur stock d'héroïne. Bon, c'est parti. Mais la tâche des policiers n'est pas simple. Les dealers présumés de cette organisation criminelle sont affûtés et particulièrement méfiants. S'ils se sentent observés, ils disparaîtront dans la nature. Un jeu de cache-cache qui rend d'autant plus nerveux les enquêteurs. Au moindre coup de chaud, ils disparaissent. Ils ont une telle ressource, ils vendent dans énormément de villes en France, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Donc les gars, c'est pas un problème, ils changent. Allez, on échange avec un mec qui va en Allemagne par exemple, et ainsi de suite. Pour observer les allées et venues sur le parking où le deal doit se dérouler, les policiers vont se poster discrètement dans un immeuble situé juste en face. On va se positionner dans les étages, avec vue directe sur le parking où les transactions se passent. Grâce à son indique, David, le chef de l'équipe, a même une description précise de l'un des vendeurs présumés. Mais après plusieurs heures d'observation, toujours rien à signaler. Les enquêteurs commencent à perdre patience. Une attente qui semble interminable jusqu'à cet instant. Ça y est. Il fait jamais de la mouvement. Les policiers viennent de repérer un individu qui correspond exactement à la description du dealer livré par l'indique. Un homme d'une cinquantaine d'années, bien habillé. Au-delà de tout soupçon. Et David n'est pas au bout de ses surprises. Avec ses trafiquants présumés, l'enquêteur va être confronté à l'une des plus importantes affaires de stupéfiants de toute sa carrière. Dans les affaires de police, il y a des milieux particulièrement opaques et difficiles à pénétrer. Des milieux où règne l'omerta, comme celui de la drogue. Une industrie juteuse. Rien qu'en France, le trafic de stupéfiants rapporterait près de 3 milliards d'euros chaque année aux trafiquants. Au cœur de ce problème de santé, l'héroïne, l'une des drogues dures les plus dangereuses. Depuis quelques années, l'Alsace est particulièrement touchée par le phénomène, puisqu'en l'espace de 3 ans, on recense près de 50 morts par overdose. À Mulhouse, les forces de police sont sur le pied de guerre, car la ville est devenue une destination prisée des trafiquants. Il faut dire qu'elle est située à 30 km de la Suisse et 15 de l'Allemagne. Sa situation géographique permet aux mafias d'échanger facilement leurs dealers, en les faisant passer d'une frontière à l'autre en quelques minutes. Cela a pris tellement d'ampleur que depuis quelques mois, tous les services de police sont mobilisés. Et notamment la BAC, la brigade anticriminalité, dont le groupe de David, 35 ans, dont 11 passés sur le terrain. Sous ses ordres, Lionel, 12 ans de police, Jonathan, 7 ans, et Audrey, 10 ans de maison. Habituellement, ces hommes rompus aux opérations les plus délicates patrouillent chaque jour dans les rues de Mulhouse à la recherche de flagrants délits, d'agressions ou de vol. Mais face au développement inquiétant du trafic de drogue dans la ville, la BAC vient prêter main forte à la brigade des stupes pour tenter d'enrayer l'épidémie. Ah, t'as un parking matos ? Une enquête de police commence toujours par un travail sur le terrain. Les hommes de la BAC vont se rendre dans tous les lieux de la ville fréquentés par les dealers de drogue pour tenter d'interpeller des consommateurs et leur soutirer des informations. Ils ne le savent pas encore, mais ce travail de recherche d'informations et d'informateurs
va leur permettre de mettre la main sur l'un des plus importants réseaux de vente d'héroïne de la ville. Ça deal pas mal, surtout en début de soirée. Ils viennent de la rue à côté, les clients ils se garent sur le parking et ils attendent. Là on va arriver au coteau, ce qu'on appelle la ZUP. Hein. Généralement ils se mettent là, quand le tabac est ouvert, ils se mettent tout de suite à la sortie du tabac. Et ils alpaguent tous les petits jeunes ou tous les mecs qui viennent acheter leurs feuilles à rouler, essayer de leur vendre des barrettes. Grâce à leurs nombreuses années de service, Lionel et son collègue Jonathan connaissent les principaux points de vente de la ville et la plupart des trafiquants. Donc là, voilà. Chaque quartier a ses vendeurs, chaque quartier a ses spécificités. C'est vraiment, dans toute la ville, il doit avoir pas loin d'une centaine de points d'île, je pense. Hein. Un chiffre impressionnant qui ne surprend pas vraiment le policier. Les prix ont chuté, du coup, la drogue est à la portée de tous, même des plus démunis. Bah là, à droite, il y en a. Hein. Droite, voilà, hein, tu peux. J'ai mon pantalon rouge notamment. Pantalon rouge qui a été fait plein de fois. Déjà ramené pour. Pour les contrôler, hein. Plein de jeunes qui vendent essentiellement des barrettes. Hein. Après, ils ont une spécialité, ils font les petites barrettes à 10 euros. C'est vraiment les petits trucs. C'est le discount du shit. Mais ce que constate Lionel, c'est que la baisse des prix concerne aussi les drogues les plus dures, et notamment l'héroïne. Son prix a quasiment été divisé par deux en l'espace de quelques années. C'est quand même une ville assez jeune, donc la demande en produits stup. Après, en plus, avec la crise, je crois que c'est un des seuls trucs qui explose hein, actuellement. Les gens prennent des produits de substitution pour oublier quelques instants leur problème. Hein. Résultat, la demande augmente. Et de nouveaux points de vente font sans cesse leur apparition aux quatre coins de la ville. Alors, dès qu'ils aperçoivent un deal ou des consommateurs, ils les interpellent. Bac Alpha, écoute. Le point de deal en plein contrôle là par les CRS. Hein. Voilà, là tu vois là. Votre position. Donc ça, c'est tous les petits dealers de quartier. Hein, c'est... Oui, il n'y a pas de problème. Vous transportez rien de particulier sur vous? Comment ça? Rien de particulier, rien d'interdit, pas d'armes, pas de produits stupéfiants? Il n'y a pas. C'est parfait, je vais vérifier. Alpha, Delta, cette fois-ci, rien à signaler. Lionel et Jonathan poursuivent leur patrouille quand soudain, au détour d'un virage, ils repèrent un homme sur un scooter déclaré volé. Sur à l'arrière, là. Les policiers le prennent immédiatement en chasse. C'est la fin, il nous a pas vu. Vas-y. Mais pas pour longtemps. L'homme qui ne porte pas de casque prend la fuite et n'hésite pas à prendre tous les risques. Alpha Papa, c'est... Oh putain le... Vas-y. Arrête-toi ! Malgré les injonctions des policiers, le conducteur ne s'arrête pas, bien au contraire. Au bout de quelques minutes, la voiture de la BAC finit par le rattraper. Non, tu passes pas, oublie. Enfin presque. C'est là, pendant 23, tu vois, on va retomber dessus. Lionel et Jonathan ont appelé des renforts, mais la poursuite risque de s'achever avant leur arrivée. Ce chemin va marquer la fin de la poursuite. Impossible d'aller plus loin sans abîmer le véhicule. Quant au scooter et son passager, ils sont déjà loin. Cette fois, l'homme est passé entre les mailles du filet. Il faut donc pour les enquêteurs patiemment reprendre leur tournée des points de deal. Et vous allez voir que leur persévérance va finir par payer. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent deux hommes qui pourraient être des consommateurs de drogue. Il y a deux là, ils ont peut-être le profil à avoir acheté là. Alors pour Lola... Ils ont acheté un peu de chine. Eux là ? Monsieur, bonjour. C'est la police, on va faire un petit contrôle. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Un délicite sur vous. Un petit bout de shit, un truc comme ça. Moi, s'il vous plaît. Si. Ouais, normalité, s'il vous plaît. Ouais. Vous l'achetez, monsieur? Non, non.
quand même. Vous avez rien d'autre? Non. Certain? Ouais. Sûr. Je vérifie, hein. Ok. Bon, pas de problème. Ouvrez vos poches, s'il vous plaît. Une barrette de 10 grammes, achetée 50 euros la veille. Bonne pioche. Pour usage de stupéfiants, ce jeune homme risque 1 an de prison. Mais dans les faits, cette peine est rarement prononcée. Tu viens avec nous? Toi, c'est bon? Ah non, maintenant, t'as rien à te reprocher. Lionel laisse filer son ami, mais va interpeller le petit consommateur de drogue. Il veut le questionner pour savoir où il s'est fourni. Il veut aussi savoir si, par hasard, le jeune homme n'aurait pas des informations sur les dealers de shit ou d'héroïne. Tu l'as acheté où? Chez un pote, à côté. Hein. Chez un pote? Ouais. Et t'as son nom, hein, ton pote? On t'a dit que ça n'allait pas être bien long, ouais. Si tu mets d'avoir volonté, ça va peut-être s'arranger un peu. Hein. Attends, je vais t'expliquer. Ouais, d'accord, oui, jusqu'à là, voilà. C'est alors, pour ça que ça va bien se passer. Continuer à être coopératif. Ouais, mais je vais pas non plus dire après le nom de toi, c'est pas non plus un truc qui se fait, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je le comprenais aussi. Après, est-ce que tu nous dis là, ça reste dans la voiture? Hein? Non, c'est très bien, c'est pas. Mais si, c'est vrai. Donc, tu veux pas me dire qui c'est? Vous allez après chez lui, non, c'est pas là. Je vais pas aller chez lui après, là, maintenant. Fais-moi confiance. Bon, je pense que t'es pas le seul à prendre chez lui. Après ce qu'il fait, faut pas. Dans les histoires. Le jeune homme n'en dira pas plus. L'interrogatoire n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais les enquêteurs ne se découragent pas. Ils savent que ce travail de fourmi leur permet progressivement de tisser des liens privilégiés avec ses consommateurs et de constituer un réseau d'informateurs. Dans le jargon policier, on les appelle les indics. Avec ses 11 années d'expérience, David, le chef de Lionel, en compte plusieurs. Ils sont ses yeux et ses oreilles. La plupart de ces personnes sont consommateurs d'héroïne. Et ça se fait par hasard. On interpelle la personne qui est porteur de produits stupéfiants, on fait la procédure. Et pendant la discussion, il arrive qu'on sympathise avec la personne. Après, c'est une relation de confiance. Ça peut prendre plusieurs années hein, pour fidéliser correctement un informateur. Et on va dire, sur chaque cellule de vente, on est entre 50 et 100 possibles acheteurs. Donc, à partir du moment, parmi ces acheteurs, j'ai des personnes qui travaillent avec nous, qui eux vont immédiatement, dès la première transac, ça arrive dès la première transac, vont nous donner, je marque info, vont nous donner l'information, donc à nous, hein. À nous, vont nous donner l'information immédiatement, et là, à partir de là, nous, on va se mettre dessus, et on va monter une surveillance, et on va voir comment un petit peu travaille cette cellule de vente, et comment ça fonctionne au niveau des acheteurs, comme c'est des gens qui achètent quasiment quotidiennement. On sait quasiment en temps réel où ça se passe. Hier, David a contacté ses informateurs, consommateurs réguliers d'héroïne. Là, j'attends le SMS là, qui va me confirmer la localisation possible d'un endroit où apparemment ça vend du produit stupéfiant. Un nouveau point de vente aurait fait son apparition, mais il ne sait pas où précisément. Les plus grosses saisies que j'ai pu réaliser depuis ces dernières années, qui sont quand même conséquentes en héroïne, sont faites grâce à la présence d'informateurs. Et en fait, rapidement, on a pu savoir où ça se fait et comment ça fonctionne. Les heures passent et toujours aucun SMS. Avec le temps, l'enquêteur a appris à gérer cette attente. Il sait que tôt ou tard, entre ses rondes sur le terrain et ses indics, il finira par obtenir une information exploitable. Mais David est loin de se douter de ce qu'il attend. Non seulement il va recevoir une information capitale, mais celle-ci va déboucher sur un véritable réseau international de trafiquants. Quelques jours plus tard, au commissariat, le policier vient de recevoir une bonne nouvelle. Grâce à son indic, il a confirmation qu'un nouveau trafic d'héroïne s'est installé à 2 pas du centre-ville. Et surtout, il a l'adresse. Cette info, on l'a eue par un coup de fil d'une personne qui est toxicomane et qui a été bénéficiaire du SMS des gars, leur disant attention, nouveau plan, en donnant l'adresse. Et, donc elle y est allée, elle a vu comment ça tourne, elle nous a indiqué que. La personne nous a indiqué qu'il y avait du monde déjà, qu'elle a croisé déjà des acheteurs qu'elle croise sur différents points de vente. Donc apparemment, le plan a l'air pas mal, ça débite, comme on dit. Ce point de vente, le voici. Après avoir déposé leur voiture sur le parking,
les acheteurs emprunteraient cette petite allée entourée d'arbres en lisière de forêt. Un peu plus loin, une aire de pique-nique transformée en lieu de deal, loin de la circulation, à l'abri des regards indiscrets. L'enquêteur dispose aussi d'une autre information. Il n'y aurait pas un, mais deux vendeurs. Deux hommes dont il ne sait rien. Ni leur âge, ni leur taille, ni leur apparence physique. Un grand flou qui ne va pas faciliter la tâche des policiers. Maintenant qu'ils connaissent le lieu de deal et qu'ils savent qu'il y a deux vendeurs, les enquêteurs vont mettre en place une surveillance pour les identifier. Mais pour cela, il va falloir les approcher sans éveiller leurs soupçons. Et vous allez voir que David et Lionel ont une petite technique bien à eux. Ben pour se planquer en forêt, on a un petit accessoire, on a une petite arme secrète. On va se déguiser en arbre. Une arme secrète. Tiens, si tu peux regarder si elle est complète, la tenue. Donc on a une tenue de sniper. Ce camouflage, utilisé généralement par les commandos militaires, s'est déjà révélé fort utile pour les planques en forêt. Sans cette tenue, David ne mettrait pas longtemps à se faire repérer. On a tous les deux pas mal d'années de boîte sur la circonscription. On est quand même connus. Donc voilà, au niveau du visage, on est pas mal repérés. Quoi, il faut se maquiller, il faut se grimer, sinon on fait pas les affaires. En fait, il nous amène à nous adapter. Donc après, si on veut planquer en forêt, je vais pas y aller comme ça, quand ça qui dépasse, ou même... avec ça, en forêt, on nous voit pas. Et on va pouvoir s'approcher au plus près des individus. Oui, ils sont malins, il faut être plus malin qu'eux. C'est tout, hein, c'est un jeu. Bon, c'est parti. Si les policiers de la BAC veulent avoir une chance de démanteler ce nouveau réseau de vendeurs d'héroïne, il faut rapidement identifier les dealers et leur mode opératoire. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement sur place. Direction la forêt, située à proximité du centre-ville. Un endroit calme et isolé, décrit avec précision par leur indique. Un endroit parfait pour des acheteurs qui veulent se procurer leur dose en toute tranquillité. C'est là. C'est là en droite. C'est un peu plus loin. Sur cette route, qu'est située l'aire de pique-nique où les trafiquants dealent. Impossible d'y accéder en voiture sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs s'arrêtent donc un peu plus loin pour se répartir les rôles. Je vais me planquer, je vais m'équiper et après je descends à gauche tranquillement dans la forêt. Voilà. Ouais, c'est bon. Je te rappelle. Ouais. Pour tenter d'assister à une transaction, David va revêtir sa tenue de camouflage et se placer en embuscade dans la forêt. De son côté, Lionel restera en appui sur le parking, à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin. On va se mettre en position, je vais me planquer, m'équiper tranquille, petite tenue de sniper, essayer de passer incognito, en buisson, et essayer de progresser vers l'endroit où les gars sont en train de vendre. Une opération délicate. Nous ne pouvons pas suivre l'enquêteur. Avec moi, tu Nous l'avons donc équipé d'une caméra miniature placée dans sa tenue. Comme dans une opération militaire, David progresse avec prudence au milieu des arbres, sans faire de bruit. Jusqu'à trouver la planque parfaite. Deux personnes sont présentes sur place. S'ils viennent derrière les bancs, je suis juste au-dessus, c'est parfait. Mais ce n'est pas ce couple de retraités qui intéresse l'enquêteur. Ouais, bon, je suis un peu près, mais bon, voilà quoi. Je suis assis à côté d'un arbre. Je te défie de me trouver en passant devant Manuel, hein. Même à pied, tu ne trouves pas. Hein. Pendant que David, à l'avant-poste, tente de repérer les dealers. De son côté, Lionel repart se poster sur le fameux parking qui précède le petit chemin au bord du canal. Son objectif, prévenir son collègue de l'arrivée éventuelle de toxicomanes ou de dealers. On va essayer de voir s'il n'y a pas déjà des clients qui attendent. C'est pas des voitures un peu de tox qui attendent. Essayez d'être discret. Lionel le sait. Si leur dispositif est repéré, les dealers vont leur filer entre les doigts et il leur faudra une nouvelle fois tout recommencer à zéro. De toute façon, s'ils nous lèvent, ils partent. On les revoit plus. C'est même pas où ils habitent. Alors, prudent, l'enquêteur se gare à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin, sur le parking utilisé par les promeneurs pour stationner leurs véhicules. Pour aller chercher leur dose, les acheteurs sont obligés d'emprunter ce chemin qui traverse le bois. Et ce jour-là, de nombreux marcheurs et joggeurs se baladent tout le long. Une aubaine pour Lionel qui cherche des informations. Peut-être ont-ils vu quelque chose. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est la police. J'ai besoin d'un petit renseignement. Par hasard, vous faites pas du jogging là, le long de la forêt. Enfin, moi, je viens d'en faire un, ouais. Vous venez d'en faire un. Est-ce que vous avez vu deux mecs qui sont posés au niveau des bancs, vous savez, juste avant le pont blanc qui traverse.
Ceux-là, je les vois régulièrement ici. Ce sont des dealers. Voilà. Et ils restent ici, ils vont là-bas et parfois ils vont de l'autre côté. Ouais. Si vous savez tout, c'est nickel. Au détour de la conversation, Lionel vient d'obtenir une information capitale pour son enquête. Comme l'indique l'avait annoncé, des deals de drogue ont bel et bien lieu quotidiennement dans le coin. Mais tout le long de cette route, et pas uniquement sur l'aire de pique-nique. Lionel ne pensait pas en apprendre autant, aussi facilement. Et contre toute attente, ses interlocuteurs vont même proposer de l'aider. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont là ? Non, je les ai pas vus aujourd'hui. Ils étaient là hier, avant-hier. Et vous avez pas vu ça avant là ? Vous voulez faire un tour là-bas pour voir ? Si ça vous dérange pas, ça m'arrangerait. Ben, je vais aller faire un tour avec monsieur et puis on revient. Si c'est possible, ouais, ça serait nickel. Un couple de retraités qui promène son chien. Des gens qui passeront forcément inaperçus aux yeux des dealers et qui pourraient même rapporter aux policiers des informations essentielles. Discrètement, bien sûr. Je promène ma chienne. Je sais, mais... Quand tout à coup... Non, madame. Laissez tomber. Parce qu'ils sont juste derrière vous. Laissez tomber. Dans son rétroviseur, Lionel vient d'apercevoir deux hommes. Et l'un d'eux lui rappelle le visage d'un dealer qu'il a déjà contrôlé par le passé. Merci! Putain, alors ça... Je l'ai vu au dernier moment ou l'autre. Le policier démarre en trombe et s'éloigne au plus vite. Si ces deux hommes l'aperçoivent dans sa voiture... C'est toujours comme ça, hein. Toute opération risque de tomber à l'eau. Lionel appelle David et lui décrit les deux individus, en commençant par celui qu'il a cru reconnaître. Il arrive, hein. Il y a un basket blanche, jean et haut bleu. L'autre, il est arrivé fort sur nous, quoi. Mais il nous a pas vu, hein. On demande notre chemin, tranquille, et puis voilà. Ces deux hommes sont-ils bien les deux vendeurs dont l'indique leur a parlé ? Après avoir vu leur tenue, l'enquêteur se met à douter. Il prend la direction du point de vente. Maintenant, il est en train de marcher avec un mec avec un survêt lisse, le chien. Tu sais, le survêt noir et jaune fluo. Je le vois plus acheteur que vendeur, quand même. Hein. Le mec, il va pas aller vendre avec un survêt aussi flashy. On va le savoir dans peu de temps, là. J'essaie de voir ton mec, là. Lionel a des doutes, car l'un des deux individus porte une tenue qui lui semble un peu trop voyante pour un vendeur de drogue qui cherche en général à se faire discret. De son côté, David, toujours en embuscade, attend de les voir arriver. Seulement voilà, personne à l'horizon. Il y a quelqu'un ou pas pour l'instant ? Non, il y a personne, J'ai vu sur les deux bancs, il y a personne. Non, il n'y a personne pour l'instant. Attends, il y a deux mecs qui arrivent. Non, c'est des joggers. Tu vois personne ou il n'y a personne ? Ouais, j'ai vu un mec passer. Effectivement, il avait l'allure tox, mais il a continué. Hein. Il s'est pas arrêté, il n'est pas revenu dans l'autre sens. Ça fait chier, ça. Ouais. Putain, de loin, il ressemblait. Les minutes passent. David, en planque dans le bois, doit se rendre à l'évidence. Si un deal a eu lieu, il s'est produit avant l'ère de pique-nique. Lionel est retourné sur place en voiture, mais les deux hommes ont déjà disparu. Il n'y a peut-être plus de matos, je sais pas, hein, c'est possible aussi. Après, s'ils sont pas là, bah, je te récupère. Hein. Voilà, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus aujourd'hui. Ils décident de lever la surveillance. Voilà. C'est pas mal, franchement. C'est exceptionnel. T'as vu quelque chose d'intéressant, là, sinon ? Non. Écoute, y a pas de toxique, attendait, y avait rien. Deux, trois promeneurs, des joggers, un couple qui est venu. Tu vois bien, tu vois les trois bancs ? Non, si les trois bancs en même temps, tu peux pas voir. Il faut, t'es obligé de bouger de ta position. Après, moi, je me suis dit, si je le rapproche trop, il suffit qu'il n'y ait pas de chance, il vient planquer au moment où l'arbre chouille, tu vois. La journée se termine. Les policiers n'ont peut-être pas assisté à une transaction, mais grâce au témoignage des promeneurs, ils savent qu'un trafic de drogue a bel et bien lieu sur ce chemin. Madame a dit, elle est pas mal bougée. Hein. Ils avancent, circulent, ils avancent. D'accord. Les points de deal, à mon avis, ils sont pas au bon. Ça, on verra, hein, ils vont revenir. Les dealers feraient donc des allers-retours le long de cette route. Désormais, le terrain de chasse à surveiller est beaucoup plus important que prévu. Alors, pour faire progresser leur enquête, David et son équipe vont devoir mettre en place une technique de surveillance encore plus ambitieuse. Et vous allez voir qu'elle va fonctionner au-delà de leurs espérances. Le lendemain, changement de tactique pour les policiers de la BAC. Lionel et David, le chef de groupe, partent avec Jonathan en renfort. Ils sont bien décidés à ne pas lâcher ces dealers présumés. Objectif, démanteler les réseaux
qui fournissent Mulhouse. Après avoir minutieusement observé les alentours du chemin, les policiers ont décidé de prendre un peu de distance et surtout de la hauteur. Je te dis que je suis en place. Par peur d'être repéré, les policiers ont décidé d'inverser des rôles aujourd'hui. Et c'est Lionel qui partira en planque. Une planque assez inhabituelle, un gymnase municipal. Bonsoir, c'est la police? Oui. J'aurais besoin d'effectuer une surveillance du haut de votre parvis, là. L'endroit qui donne le plus près des rives. Ouais, ça marche. La veille, alors qu'ils étaient en planque, les policiers ont repéré ce gymnase à seulement quelques centaines de mètres du chemin. Un lieu idéal pour observer les allées et venues des promeneurs. De ses fenêtres, Lionel aura une vue parfaitement dégagée. Écoute-moi, je suis en place, hein. Je suis pas trop mal. Reste un peu dans le secteur parce que c'est le bon créneau horaire. Là. Écoutez, 5-10 minutes, je fais un petit passage, juste pour voir si je vois une caisse qui a le profil. De leur côté, David, le chef d'enquête, et son collègue Jonathan vont patrouiller dans un rayon d'un ou deux kilomètres autour du chemin afin d'identifier d'éventuels acheteurs de drogue. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. T'as vu un Mégane? Ouais. Écoute, il y a une Mégane avec des mecs là qui ont l'air un peu d'avoir le profil. On va voir si ça vient chez toi. Je te tiens au courant. Tiens, prends le téléphone. Après quelques minutes de ronde, David vient de repérer une berline grise avec trois hommes à son bord. Et leurs visages ne lui sont pas inconnus. Alors, pour mieux les voir, il va se garer sur le bas-côté pour les laisser passer mine de rien à sa hauteur. Un jeu du chat et de la souris auquel l'enquêteur est parfaitement habitué. Ouais, ça marche. Écoute, on a vu une voiture. Elle arrive. Attends, je te prends là. On va vérifier. Ouais, si, c'est bon, ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, là. Prends la plaque. Les premières impressions de David ne font que se renforcer. Il pense que ce sont trois acheteurs. Il va donc demander par radio l'identification de la plaque d'immatriculation du véhicule. Faire identifier le véhicule. En attendant le résultat, le policier suit à distance la voiture suspecte. Pas question de la perdre de vue. Ils nous ont vu, c'est pas sûr. Regarde, ça fait le tour, ouais, c'était sûr. C'était ça. Faut qu'on lève. La voiture a déjà fait deux fois le tour du rond-point et elle se dirige exactement vers le lieu de vente identifié par les enquêteurs. Après vérification, plus de doute possible. Le propriétaire de la berline est un toxicomane bien connu des services de police. David et son collègue préfèrent abandonner la filature pour ne pas risquer d'être reconnus. Maintenant, c'est à Lionel, posté dans son gymnase, de prendre le relais. Les mecs, on les a vus, c'était tox à 10 000%. Il va y avoir Transac dans peu de temps, hein, parce qu'ils vont se garer là. Moi, j'ai levé, hein. Je me suis cassé, je suis pas resté derrière eux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait acheteur? On les tape plus loin? Dans l'urgence, David a un doute. Faut-il les interpeller tout de suite pour les faire parler? Ou bien les laisser rejoindre le lieu du deal? Bah écoute, focalise-toi sur le vendeur. David a tranché. S'il veut avoir une chance de remonter la filière de ses trafiquants et découvrir le lieu où ils stockent l'héroïne, mieux vaut être patient et ne pas les interpeller tout de suite. Si on les rencontre là-bas, ils vont se dire c'est bon, les mecs nous ont suivis, donc prochaine fois qu'ils vont acheter ici, parce qu'ils vont pas prendre grand-chose, hein, ils vont prendre, s'ils sont un peu connus, allez, s'ils demandent prison avec sursis ou un peu plus. Prochaine transac, il y en a au moins un des trois qui va sortir, qui va pouvoir dire, attention là-bas, quand on les a vus, ils nous ont contrôlés, le point disparaît. Un point de vente qui disparaît, et c'est toute l'enquête qu'il faudrait recommencer. L'idée des policiers, c'est donc de suivre les acheteurs pour qu'ils les mènent directement jusqu'au dealer. Des individus dont les enquêteurs ignorent tout pour le moment. À quelques centaines de mètres, dans le gymnase, Lionel continue d'observer le chemin. Et quelques minutes après le coup de fil de David, une silhouette apparaît. Il y a un mec qui vient au bleu, pantalon noir, basket blanche, je suis pas suite à capuche. Il y a le deuxième qui est arrivé là, comment je fais sur la soupe, je sais pas d'où. Ces deux hommes seraient-ils les dealers que les policiers ont aperçus la veille? Cette fois-ci, Lionel ne va pas les perdre de vue. À l'abri derrière sa fenêtre, il va tenter de prendre en photo la transaction entre dealer et acheteur. Il est le plus petit, habillé en noir. À mon avis, c'est ça. Ouais, il a quoi, un sachet, là? Il est chargé, le sachet? Depuis sa planque, Lionel a cru apercevoir un sachet d'héroïne dans la main d'un des hommes. Les trois individus repérés dans la berline grise viennent de rejoindre les deux hommes sur le chemin.
et en seulement quelques secondes, plusieurs sachets vont changer de main. Voilà quoi. Pas une transaction. Le petit groupe se sépare sans que Lionel puisse photographier leur visage. Mais pour David, c'est déjà une excellente nouvelle. Ah bah ça n'a pas été long, hein ? Non. Ça fait 10 minutes qu'on est là. Ouais. C'est le flagrant délit que les enquêteurs attendaient. Après seulement 2 jours de planque, les informations fournies par l'indic se confirment. Un homme en sweat bleu et basket blanche, un autre en sweat noir. Mais plutôt que de les interpeller, les enquêteurs vont chercher maintenant à savoir comment ils se fournissent, afin de remonter toute la filière. Pour cela, ils vont mettre en place une filature, sans se douter qu'elle va se révéler riche en rebondissements. Ouais, mais tu veux pas qu'on se regroupe là pour refaire le point là ? Dès que la transaction a eu lieu, David rejoint Lionel au gymnase. Bon, ça a pas été long, hein ? Ça a vite bougé, hein ? Ça fait trop le profil, les mecs dans la bagnole. C'est David lui-même, le directeur d'enquête, qui s'équipe d'une caméra discrète et part à pied à leur poursuite. Il espère rattraper les vendeurs à l'entrée du chemin et découvrir l'endroit où ils planqueraient leur stock d'héroïne. Dans la voiture, Lionel est en communication permanente avec lui. Il a un haut bleu foncé. Hein. Je l'ai. Il arrive. Mais je l'ai vu au loin, là, mais il arrive. Moi, je suis planqué sur le parking, il va arriver, là. Mais il arrive vers la patinoire, sur le trottoir de droite, quand il y a le McDo dans le dos. Il continue, hein, il marche à un bon rythme. Hein. Pour les enquêteurs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. David a bien retrouvé la trace de l'un des dealers, mais entre-temps, son complice vêtu d'un sweat noir a disparu. Le policier n'a pas le droit à l'erreur. S'il se fait repérer, tout le travail de la journée n'aura servi à rien. Alors il poursuit sa filature avec prudence. La tâche est loin d'être aisée. Allô ? Ouais, il me rend dingue. Il fait des coups de sécu. Il se retourne beaucoup. Hein. Attention. Hein. L'homme est particulièrement méfiant. Posté à une cinquantaine de mètres en retrait, le policier observe ses moindres faits et gestes. Il espère bien le suivre jusqu'à sa planque. Seulement voilà. Écoute, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Il attend le tram. Il attend le tram. Je suis baisé. Hein. Je peux pas m'arrêter avec lui. Hein. Le problème, c'est que là, il est seul à l'arrêt tram. Si je commence à attendre à côté de lui, il va me crier. Tu sais, des mecs, ils ont peut-être déjà croisé. Hein. Ce trafiquant présumé, David l'a peut-être déjà interpellé par le passé. Alors il doit garder ses distances et redoubler de vigilance. Désormais, il faut faire vite. Il pourrait prendre la fuite à tout moment. Et le policier veut absolument voir son visage de près avant qu'il ne s'échappe. Écoute, là, je vais essayer de me poser dans l'immeuble. Pour l'instant, il est toujours assis à l'arrêt-train. Par contre, là, je l'aurais pas vu pendant les quelques secondes qu'il faut que je rentre dans l'immeuble. Bah, il t'en cul parce que s'il bouge, il faut que je sache, moi. Ouais, bah, je vaux mieux, hein. Je vaux mieux, là. Je sonne chez les gens, là. En policier expérimenté, David a repéré en un coup d'œil cet immeuble situé juste en face de l'arrêt de tramway. Je l'ai pas vu. S'il arrive à pénétrer à temps à l'intérieur, il aura un point de vue idéal sur le dealer présumé. Et il pourra peut-être même le photographier. Mais c'est loin d'être gagné. J'entends un tram, bordel. Vous pouvez nous ouvrir, c'est la police, merci. C'est la police, madame, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît. Merci. Allez, ouvrez, merci. Trop tard, le tramway entre en gare. Dans quelques secondes, le jeune homme va peut-être monter à bord et David l'aura perdu. À moins que... Ouais, oublie, il prend pas le tram. Il est toujours là, il a mis la capuche, il est toujours là. Je vais essayer de le shooter en photo, hein, je te rappelle. Contre toute attente, le suspect est resté assis sur le banc, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Et sans le savoir, il pose de manière idéale pour l'enquêteur, qui le mitraille avec son appareil. Et quelques instants plus tard, David comprend pourquoi l'homme n'a pas bougé. Attends, il y a un deuxième qui arrive. Ils sont rejoints. Si, ils sont ensemble, ils ont acheté un ticket tram. Hein. Ouais, voilà pour ce qu'il attendait l'autre. Hein. Ils sont les deux ensemble. Ouais, donc là, ça va partir, c'est sûr. Hein, tu peux être sûr. Le second vendeur présumé dont David avait perdu la trace vient de réapparaître. Et cette fois-ci, le policier peut voir son visage. Il y a un tram qui arrive, d'ailleurs. Il y a un tram qui arrive, ils vont le prendre. Ça y est, ils montent. Ouais, ils sont ensemble, ils montent. Le tramway quitte la station et emporte loin les deux dealers présumés. Quant à David, il rejoint tranquillement son collègue dans la voiture, aucunement chagriné de les avoir laissés partir. Car il vient d'apprendre
une information capitale. Ces deux hommes, il les connaît déjà. Petit scoop, c'est le grand que j'ai suivi là. Eh ben non, c'est le mec de la rue d'Absheim. Celui-là qui soi-disant venait d'arriver d'Italie. À 100%, il l'a reconnu sur les photos. Le policier a bien fait de se méfier et de ne pas trop s'approcher du vendeur présumé. Un homme qu'il a interpellé il y a peu de temps et qui a été relâché faute de preuves. Pour s'assurer qu'il s'agit bien du même homme, les policiers consultent le Canonge, un logiciel qui répertorie les délinquants connus des forces de l'ordre. Je t'ai sorti les photos. Ouais, donc on les a, rien. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc c'est ces gars-là. Bon, on s'en doutait qu'ils faisaient partie d'une équipe quand ils ont été interpellés. Maintenant, au niveau de la procédure, ils ont pu justifier par leur visa qu'ils venaient d'arriver la veille. Donc effectivement, là, pour les mettre en cause dans un trafic qui durait déjà depuis plusieurs semaines, c'était un peu léger. Donc effectivement, les individus sont sortis. Mais on se doutait qu'ils étaient voilà, venus d'Albanie, c'était pas pour faire du tourisme, effectivement pour vendre de l'héroïne. Donc ils sont rapidement mis au boulot. Donc maintenant, moi je suis pas surpris de les revoir sur un autre plan de deal quelques semaines après. Hein. C'est quand même un peu précipité, mais bon. Après, ils sont venus pour ça, donc ils n'ont pas de temps à perdre, je pense. Voilà, voilà, ils ont... C'est le bénéfice avant tout. Quoi. Complètement. Donc c'est bien, on a déjà les identités, c'est pas mal. On a l'identité des individus, mais on n'a pas le domicile. Les deux dealers présumés que les enquêteurs surveillent depuis deux jours sont donc clairement identifiés. Ces deux hommes seraient venus spécialement d'Albanie pour vendre de l'héroïne en France. L'enquête vient de prendre une autre envergure. On serait loin d'un petit trafic local, mais sur les traces d'un réseau international. Et pour les policiers de la BAC, il va falloir maintenant trouver leur planque. Comment ils se fournissent et qui est à la tête de leur réseau. Pour cela, David compte renforcer la surveillance du chemin à proximité du centre-ville. Objectif, suivre les vendeurs jusqu'à leur repère et surtout trouver l'endroit où ils stockent l'héroïne. Mais rien ne va se passer comme prévu. Quelques jours plus tard, David et son équipe s'apprêtent à repartir en planque à proximité du chemin. Mais un coup de fil va venir bouleverser le programme des enquêteurs. Au bout du fil, l'indique qui informe David depuis le début de cette affaire. L'homme semble être particulièrement bien renseigné, puisqu'il va lui faire une nouvelle révélation. Tout le monde a eu l'info, donc tout le monde va aller là-bas, quoi. Donc je vais voir de l'activité, certainement, si je me pose. Écoute, ouais. Et c'est pour tout le monde, rendez-vous à la station, tu penses? Ok, ça marche. Merci, à plus tard. Salut, salut. Le lieu de vente aurait déjà changé et aurait été déplacé de quelques centaines de mètres seulement. Quant aux deux dealers présumés, ils auraient déjà été remplacés par un nouveau vendeur. S'agit-il d'un roulement habituel entre l'Allemagne et la Suisse, tout proche, ou les trafiquants ont-ils fini par repérer le manège des enquêteurs? En tout cas, David et son équipe vont devoir redoubler de discrétion et faire preuve d'ingéniosité s'ils veulent coincer cette bande. Ok. Là, on est en présence d'un réseau. Tu vas ? Un réseau, là, on travaille sur des individus qui ont été, qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille la semaine dernière. Je t'entends mal, attends, je te rappelle sur ton téléphone. On va dire le même cerveau, le même chef de bande. Je te rappelle dans deux minutes sur ton téléphone. A relancé tous les acheteurs avec un nouveau numéro et a placé un nouveau vendeur. Et au moindre coup de chaud, ils disparaissent. Pourquoi ? Ils ont une telle ressource, ils vendent dans énormément de villes en France, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Donc les gars, c'est pas un problème, ils changent. Allez, on les échange avec un mec qui vend en Allemagne, par exemple. Et ainsi de suite. Loin du petit trafic de quartier, les enquêteurs font face à une mafia très structurée, avec une main-d'œuvre interchangeable. Mais cette fois-ci, grâce à leur indique, David et son collègue ont un coup d'avance. Le nouveau point de vente choisi par les trafiquants serait une station de lavage, située à deux pas de l'arrêt de tramway où les policiers avaient suivi les deux premiers suspects. Alors David a déjà une petite idée de l'endroit où se poster, dans l'immeuble qui lui a servi de planque quelques jours auparavant. Je vais essayer de rentrer dans l'immeuble. Le souci, c'est que donc faut que je me fasse ouvrir par quelqu'un. Il faut que je fasse discrètement, que j'arrive à rentrer hein, dans l'immeuble. Quoi. Et après, j'attendrai Lio, je lui laisse la porte ouverte et on va se positionner dans les étages. J'ai deux. Avec vue directe sur le parking où les transacts se passent. Quelques instants plus tard, Lionel et David sont en place.
Exactement, au-dessus de l'arrêt de bus où j'ai surveillé la semaine dernière, où les gars sont partis vers le tram. C'était à cet arrêt-là. Donc tu vois, c'est toujours dans le même secteur, toujours. Sans le savoir, les trafiquants ont choisi un lieu de vente qui facilite le travail des enquêteurs. David et son collègue vont pouvoir tranquillement espionner sans être vus. Et cette fois-ci, ils disposent d'une description détaillée du vendeur présumé, fournie par leur indic. Tu me dis à quoi il ressemble par contre ? 1,70 À gauche, en beige, là ? Ouais, j'ai vu. Il était tendu. Et justement, à peine installé, les deux enquêteurs viennent de voir passer sous leur fenêtre un homme qui correspond au signalement. Il regarde, hein ? Ouais. J'ai jamais vu celui-là. Et il a au moins 60 ans. Voilà. Ah, il a pas une démarche de vieux. Il fait vieux de dos, mais il a pas une démarche de vieux. Cet homme d'une soixantaine d'années, bien habillé, propre sur lui, n'a pas vraiment le profil que les enquêteurs ont l'habitude de croiser. Ils vont maintenant devoir attendre que l'homme effectue une transaction pour le prendre en flag. Mais problème. Ah, il va revenir par là-bas, hein, fait chier. C'est sûr. Il va vendre là-bas, il va au contact des acheteurs et il revient par la gauche. Derrière, t'as un foyer, donc je pense que c'est au bord du canal, il va faire la vente, qui est moins flag. Donc là, si on n'a pas de chance, je pense pas qu'il va revenir vers nous. Donc on va avoir du mal à l'avoir de face. Le vendeur présumé semble se diriger vers un endroit plus discret. Les enquêteurs savent d'expérience que les deals se font à l'abri des regards. Et ce parking est manifestement trop exposé. Mais les policiers restent patients, d'autant qu'ils viennent de repérer un homme au comportement suspect. Depuis plusieurs minutes, l'individu fait les 100 pas autour de la station de lavage et semble chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Téléphone, non ? Non. Non, c'est déjà. Putain, putain, mais c'est pas possible, quoi. Les enquêteurs sont tendus. Cet homme qui s'approche est-il bien un acheteur ? L'homme qui s'est éloigné il y a quelques minutes est-il bien un dealer ? À ce moment-là, pour les enquêteurs, tout le monde est suspect. Ouais, il a l'air de chercher quelqu'un, ouais. Il a l'air de chercher quelqu'un. Ouais, c'est un vieux. Hein. Non, je pense qu'il attend sa caisse. Le mec en bas, là ? Ouais, il fait pas... Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, je vois la BM, là. À mon avis, il attend pour sa caisse. C'est pas lui, hein. Dans quelques instants, sur D8, vous allez voir que David et ses enquêteurs vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour réussir à piéger le réseau de trafiquants d'héroïne. Oh là là, il fait jamais de la vie vendeur. Hein ? Il fait pas vendeur. Putain, il emmène où ? Les enquêteurs sont tendus. Cet homme qui s'approche est-il bien un acheteur ? L'homme qui s'est éloigné il y a quelques minutes est-il bien un dealer ? À ce moment-là, pour les enquêteurs, tout le monde est suspect. Ça pourrait ? Ouais, il a l'air de chercher quelqu'un, ouais. Il a l'air de chercher quelqu'un. Ouais, c'est un vieux. Hein. Non, je pense qu'il attend sa caisse. Le mec en bas, là ? Ouais, il fait pas... Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, je vois la BM, là. À mon avis, il attend pour sa caisse. C'est pas lui, hein. David ne quitte pas des yeux l'homme qu'il prend pour un acheteur. Quand soudain... Ça y est, c'était pas le même d'avant. Choupio ! C'est pas le mec d'avant. Non, c'est pas. Un homme d'une cinquantaine d'années que les enquêteurs n'avaient pas repéré jusqu'ici. Crâne dégarni, taille moyenne, la description correspond parfaitement à celle donnée par l'indic. Plus de doute possible, pour eux, c'est certainement le dealer.
mais on est très loin du profil classique. Pas de sweat à capuche, mais un homme particulièrement bien habillé avec un parapluie chic à la main. Oh là là, il fait jamais de la vie vendeur. Hein. Non ? Il fait pas vendeur. Hein. Putain, il l'emmène où, là ? Regarde qu'il va pas en haut. Yo, tu prends ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Les enquêteurs en ont la quasi-certitude. Une transaction va avoir lieu, mais pas ici. Pas le temps de réfléchir, tandis que David prend des photos du vendeur présumé, son collègue Lionel prend les deux hommes en filature. Objectif : observer la transaction, s'assurer qu'il s'agit bien du nouveau dealer et le suivre jusqu'à son domicile avec l'espoir d'y découvrir un important stock d'héroïne. Quelques minutes plus tard, Lionel va revenir avec une bonne nouvelle. Il vient d'obtenir l'information que les policiers attendaient depuis plusieurs jours. Les deux hommes qu'il avait pris en filature l'ont mené jusqu'à une adresse où pourrait être stockée la marchandise. Et cerise sur le gâteau, il se trouve que cette adresse ne leur est pas inconnue. Donc, l'immeuble habituel ? Ouais. Ouais, au 6. D'accord. Il a pris le petit passage, direction numéro 6, il est rentré, il n'a même pas regardé. Donc c'est bon, c'est logé. C'est là où on pensait. En espérant que le matos est là-bas. Les hommes de là-bas ont le sourire. C'est à cette même adresse qu'ils avaient interpellé il y a plusieurs mois les deux premiers suspects aperçus dans la forêt et qui ont disparu depuis. Les policiers avaient alors supposé, sans pouvoir le prouver, que l'appartement servait de base arrière à un réseau de stupéfiants. Ce nid serait donc toujours actif. L'enquête progresse à pas de géant. Les policiers savent où se cache le vendeur présumé. L'enjeu désormais pour David, c'est d'identifier tous les protagonistes de ce réseau mafieux venu de l'étranger. Les vendeurs, le ou les fournisseurs, et surtout ceux qui réceptionnent l'argent et qui sont à la tête du réseau. Pour cela, David et son équipe vont devoir mettre en place un système de surveillance sophistiqué. Seulement voilà, il faut faire un break pendant le week-end. Et parfois, vous allez le voir, s'arrêter juste un week-end peut compromettre des semaines d'enquête. La semaine commence mal pour David. Pendant le week-end, une autre équipe de la BAC a contrôlé sans le savoir le vendeur au parapluie. Un faux pas qui pourrait compromettre toute la surveillance que les policiers souhaitent mettre en place. Notre vendeur a été contrôlé samedi soir par un équipage de chez nous. On n'a pas eu de chance, il a été contrôlé juste après une transac. Là où on a eu de la chance, c'est que les collègues ont percuté que c'était le gars sur lequel on travaillait. Suite à ça, il a pu prendre en photo son passeport, à savoir que chaque fois qu'on les a contrôlés, les gars ont disparu dès le lendemain, coupé le téléphone, changé la cam d'endroit et disparu. Là, on a de la chance, j'ai des infos, il a recommencé. Il continue, il a apparemment pas déménagé. Il vend, son endroit de vente a changé, il vend à 100 mètres. Mais là, vraiment le problème le plus important, c'est les acheteurs nous connaissent à force. On en connaît une 40-50 et c'est toujours les mêmes qui reviennent. S'ils nous reconnaissent un de nous trois, ils vont lui dire. Et lui, deux contrôles, ouais, c'est fini. Deux fois police dans les trois jours, là c'est fini, on aura plus de chance. Après voilà, il va dégager. Donc, l'avantage, c'est qu'on a son blaze. On a son nom, il n'est pas connu, j'ai regardé au stick, il n'a pas d'antécédent police. Il faudrait que je regarde l'antécédent gendarmerie, mais je pense pas. Il a quel âge ? 45 ans quoi, il n'est pas tant vieux. Il est 45 ans, il est de 68. À cause de ce contrôle d'identité, le fameux vendeur risque d'être sur ses gardes. David et son équipe vont devoir prendre encore plus de précautions s'ils veulent surveiller l'immeuble dans lequel il habite. Mais avant cela, David a un autre problème à résoudre. Un problème administratif, celui-là, mais un problème de taille. On va voir le yacht, là, on va lui parler. Ouais. Et ce problème, il n'y a que son patron, le lieutenant, qui peut le résoudre. Messieurs, dames, bonjour. Lieutenant, bonjour. Il faut savoir que les policiers de la BAC sont spécialisés dans le flagrant délit. Pas dans l'enquête au long cours, habituellement confiée au service des stupes. Logiquement, l'enquête devrait donc changer de main. Mais David et son équipe voudraient mener les investigations jusqu'au bout. Et pour cela, il faut convaincre leur supérieur hiérarchique de les laisser sur l'affaire. Alors David va essayer de lui montrer que personne n'est mieux placé que lui et son équipe pour poursuivre l'enquête. Un nouveau mec a apparu. Un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone avec un nouveau mec.
que par chance on a pu identifier, on a eu chaud samedi, un équipage de chez nous l'a contrôlé par mégarde. Par contre, il n'a pas eu trop chaud puisqu'il existe toujours et il continue à vendre. Mmh. On a le Blaze, c'est un mec de 48 ans, c'est un Albanais. Et on l'a logé. D'accord. On l'a logé et il vend franchement pas mal. Mmh. Il rentre avec les clés, il fait pas gaffe à rien, il se prend avec son parapluie quand il pleut. Très tranquille, et vraiment très tranquille. Et comment il procède sur les transactions? Alors il procède, en fait, on va dire, vous prenez un compas et vous faites 200 mètres autour de son dôme et il vend à tous les endroits autour. Mmh. Les acheteurs sont passés le mot, hein, il y a de nouveau tous les habitués qui viennent. Ouais, il y a 30-40 transactions jour. On peut être sur un volume sympa quoi. S'il se refait contrôler, je pense, dans la semaine, il disparaît. Donc après. Après avoir si on agit vite, ce qu'on fait. Vous effectuez une surveillance, et puis on renouvelle l'opération. On poursuit l'enquête de prélime sur plusieurs jours en termes de surveillance. En fonction de vos plans, que ça nous permettra de dimensionner le dispositif à mettre en place. Et puis, dès qu'on l'aura décidé, on le tapera en flag. Le lieutenant apprécie le travail de la BAC. Il pense aussi qu'il faut en savoir un peu plus sur ce réseau avant d'intervenir. Connaître notamment la quantité de marchandises qui pourraient être saisies au domicile du vendeur, ainsi que la façon dont il est approvisionné. Ça marche très bien. Merci. À plus. Au revoir. C'est un succès pour David. Il vient d'obtenir le feu vert pour poursuivre son enquête. Il va pouvoir mettre en place une surveillance permanente, de jour comme de nuit, au domicile du vendeur présumé d'héroïne. Une mission qui s'annonce délicate. Mais l'enquêteur est un fin limier, avec des années d'expérience, et il a déjà imaginé un système ingénieux pour voir sans être vu. On va pas rester chez les gens ou dans un hall toute la nuit pour observer. Donc le but, c'est de placer une petite caméra, détection de présence, sur la porte, face à au domicile des individus. Et pour ce faire, les policiers ne manquent pas de ressources. Après avoir découpé une bouteille en plastique, David y fixe une caméra discrète et dépose à l'intérieur l'enregistreur. Un dispositif artisanal qui a déjà fait ses preuves. Tiens-le-moi. Voilà, on a la petite caméra, on n'a plus qu'à placer au rebord de la fenêtre, c'est assez discret. Avec les petits carrés, on va détecter la porte sur laquelle on veut que ça déclenche. Tous les allées venues dans l'appart sont filmés. Avec un peu de chance, demain, on aura des bonnes nouvelles. Voilà. Il n'y a plus qu'à poser. Grâce à cet écran de contrôle, David pourra positionner sa caméra pour qu'elle filme exactement l'entrée de l'immeuble. Et pour économiser les batteries, elle ne se déclenchera que lorsque la porte s'ouvrira. Même si les images de cette caméra n'ont aucune valeur juridique, elles permettront aux enquêteurs d'assister aux allées et venues de l'appartement, de savoir qui rentre et qui sort. Un outil précieux, infatigable, qui se déclenchera de jour comme de nuit. Grâce à elle, David espère bien identifier certains membres de cette mafia. Mais surtout, il aimerait comprendre comment ce dealer présumé est ravitaillé et à quel moment. Des informations capitales dans la perspective d'une interpellation. Mais les enquêteurs le savent. Plus ils se rapprochent de leur cible, plus ils doivent se montrer discrets. À la moindre alerte, les trafiquants disparaîtront dans la nature sans laisser de traces. Ils sont parfaitement organisés et abandonnent rarement des indices permettant de les retrouver. Réussir à comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est quand même une mafia, faut pas l'oublier, c'est pas évident. Ils s'adaptent très bien aux lois. Dans leurs appartements, on trouve jamais de papier, de facture d'eau à leur nom, de carte téléphonique qui les loge là-bas. Ça n'existe pas avec ces gens-là. L'argent, même l'argent. Il n'y a jamais plus de 2 000, 2 500 euros, ce qu'ils font quotidiennement au domicile. Surveiller et faire preuve de patience pour avoir une chance de démanteler tout le réseau. C'est désormais la mission de ces enquêteurs. Le vendeur présumé seul ne les intéresse pas. Ils devront attendre un ravitaillement, une transaction plus importante, peut-être même la visite du chef de la bande, pour pouvoir déclencher une interpellation. Bon. Allez, go, fais ça bien, tu tiens au jus. Ouais, c'est bon. Tu en prends un passage, tu m'appelles. Ouais, c'est bon. La voiture des policiers se gare à quelques centaines de mètres du domicile du dealer présumé. À partir de maintenant, nous suivons David en caméra cachée, afin qu'il ne se fasse pas repérer. L'enquêteur pénètre dans un immeuble idéalement placé. Après avoir averti les habitants de sa présence, il met immédiatement en place la caméra à détecteur de mouvement qu'il vient de bricoler. Elle sera à ses yeux pendant toute l'opération. Il faudrait la baisser. Attends, la pile. Voilà, c'est bien. Ah putain, t'es bien là. Elle bougera pas. Pour les premières heures de planque, l'enquêteur reste sur place, dans l'escalier, caché par des rideaux. La surveillance peut commencer.
des heures à guetter, à épier la moindre voiture, le moindre passant. Une tâche qui pourrait en démotiver plus d'un, mais pas David. Ça fait ressources quand même. Mais bon, ça démotive pas, on continue, on est là, on essaie de les faire. Nettoyer un quartier, on se dit voilà, il y a peut-être un peu moins d'héroïne qui va circuler, peut-être un peu moins de seringues dans les parcs et des trucs comme ça. Maintenant, l'idée, ça serait bien d'avoir le celui-là qui est au-dessus, effectivement. Mais sinon, si on n'arrive pas à aller plus haut, ben, on va couper la branche, quoi. Parce que bon, il commence vraiment à avoir une recrudescence d'individus de ce type-là, qui se posent dans des apparts et qui vendent de l'héroïne sur Mulhouse, quoi. Je pense qu'il y a un réel problème de santé publique à Mulhouse en ce moment. C'est que vraiment, l'héroïne, ça circule partout, partout, partout. L'enquêteur va ainsi passer plusieurs heures de planque, assis dans l'escalier de l'immeuble. Mais le temps passe, et toujours rien à signaler dans la rue. Jusqu'à cet instant. David vient de repérer un véhicule suspect. Mais quelques secondes plus tard, il a déjà disparu. David appelle aussitôt Lionel. La C5 vient se garer devant et notre abonné est sorti, il a pris contact avec le conducteur. Je crois qu'ils sont changés un truc, mais pas un gros sac. Et la C5 est partie. Peut-être, c'est ce que j'ai pensé. Ça pouvait être des billets, si c'est des billets pliés, je ne pouvais pas les prendre. Ouais. Et puis là, c'est le ramassage de la journée, quoi. Il a eu produit ce matin, il a dû vendre toute l'après-midi, et maintenant ça ramasse le pognon. Ouais, à mon avis, c'est fini pour ce soir. Je reste encore un quart d'heure, je m'enlève. Sous les yeux de David, le vendeur présumé viendrait de remettre la recette des ventes du jour. Mais à qui ? Qui est donc le mystérieux conducteur de cette berline grise ? Pour les enquêteurs, probablement la clé de voûte de l'organisation en France. Le maillon qui leur manque pour déclencher une interpellation. Peut-être même le chef du réseau. Malheureusement, sur les images prises par la caméra, impossible de distinguer un visage ou même une plaque. Et les enquêteurs jouent de malchance. Lionel, le collègue de David, qui était garé à proximité, a été appelé en renfort sur une autre opération quelques minutes avant l'apparition de la berline. Résultat, il n'a pas pu prendre le véhicule suspect en filature. Commence alors une traque au long cours pour mettre la main sur le conducteur de la berline, celui qui leur a filé entre les doigts. Pendant 2 semaines, David surveille le domicile du dealer présumé et à chacune de ses sorties, Lionel le prend en filature. Et plus les jours passent, ça bouge, écoute, je vais essayer de suivre. Plus les policiers de la BAC voient apparaître de nouveaux visages. Ils rentrent dans la caisse. Ils rentrent dans la voiture. J'ai la Transac en flag dans les yeux. L'homme au parapluie n'est plus seul. 3 autres dealers présumés l'ont rejoint. Et les ventes autour de l'immeuble se multiplient. Un balai incessant de midi à 20h, où une 20aine de consommateurs se relaient chaque jour pour venir chercher leur dose. Ouais, écoute, je suis devant. Il y a un mec qui est sorti, par contre, j'ai pas vu ce que c'était du tout. En revanche, toujours aucune nouvelle de la berline grise. Le chef présumé de cette mafia reste introuvable. Alors, sans relâche, les enquêteurs poursuivent leur surveillance dans l'espoir de lui mettre enfin le grappin dessus. Une machine parfaitement huilée, sans à-coups, jusqu'à ce matin-là. Ils sont où ? Mais tu suis qui ? Tu suis qui ? Lequel, c'est lequel ? Comme chaque jour, Lionel a pris soin de se garer à bonne distance pour observer sans être repéré. Sauf que manque de chance, ce matin-là, attends. Il va perdre sa cible des yeux. Il est où ? Il est sur le pont ? Je l'ai en face de moi. Putain, je viens de croiser un autre Albanais devant moi. Il va avoir un pote là. Moi, je vais être obligé de dégager parce qu'il m'a vu l'autre. Il a gaulé qu'on était flics à 400 km. Ouais, je suis en face, putain. C'est mort, il nous a vus, c'est sûr. Le regard de l'enquêteur vient de croiser celui du dealer présumé. Et Lionel pense avoir été démasqué. Si les vendeurs supposés ont le moindre doute et qu'ils découvrent la surveillance mise en place par les hommes de la BAC, l'enquête risque de s'arrêter net. Pour l'instant, le bilan des surveillances est mitigé.
Les enquêteurs pensent avoir découvert de nouveaux vendeurs, mais celui qui les intéresse le plus, le conducteur de la berline grise, reste toujours introuvable. Pourtant, c'est probablement lui le chef du réseau. Les policiers se retrouvent face à un dilemme. Doivent-ils intervenir ou patienter? Ils ne le savent pas encore, mais cette décision a déjà été prise en très haut lieu, car un nouvel élément a fait basculer toute l'enquête. Le lendemain, au commissariat de Mulhouse, David et son équipe sont loin de se douter de ce qui les attend. Le lieutenant les convoque sans leur donner de motif précis. Le lieutenant voudrait nous voir au sujet de l'affaire. Donc on va nous causer sur l'affaire, sur les surveillances. Ok, vous venez ? On va voir, je sais pas plus. Bonsoir, lieutenant. Ça va bien ? Entrez, monsieur dame. J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-nous. Alors la bonne, c'est que votre objectif... C'est un bel objectif. Hein. Tout porte à croire que vous avez tapé dans le mille. La moins bonne, c'est qu'il entre dans le cadre de la CR des stupes. D'accord. D'accord. Donc, vous passez la main. CR pour commission rogatoire. Ces deux mots sonnent le glas de l'enquête pour David et son équipe. La brigade des stupes, qui travaillait sur le même réseau de vente de drogue, vient d'identifier une cible prioritaire. C'est donc elle qui va poursuivre l'enquête. Je descends de la réunion d'état-major et la brigade des stupes m'a confirmé qu'il avait également un objectif localisé au même endroit. D'accord. Donc priorité à l'investigation et à l'enquête de longue haleine. Quoi. Donc on repasse le flambeau ? Ouais, vous passez la main, ouais. D'accord, ok. Ouais. Pas trop déçu ? C'est le jeu, hein. Merci de votre compréhension et puis vous découragez pas ? Bah non, hein? Non, vous inquiétez pas. Monsieur le temps. Merci le temps. Bonne soirée. Allez, bon courage. Malgré des semaines d'enquête, David et son équipe ne mèneront pas l'affaire à son terme. Le policier encaisse la nouvelle avec un peu d'amertume. Mais il connaît parfaitement les règles de la maison. Bon, c'est un peu frustrant. C'est vrai qu'on reste des policiers. La finalité, c'est quand même interpeller les bonhommes, faire une belle saisie et participer surtout à ça. Maintenant, on n'a plus les cartes en main. Un autre service va s'en occuper, certainement bien. C'est le jeu. C'est le jeu. Des fois, il faut savoir laisser passer la main. Passer la main et puis, non, c'est comme ça. Évidemment, voilà, on aurait préféré finir dessus. Maintenant, c'est comme ça. L'important, c'est quand même que les trafiquants tombent. C'est quand même c'est pas une guerre des polices, hein, c'est la mission première. Du coup, non. On fait avec et on passe à notre objectif. Et puis, voilà. Un étage plus bas, à la brigade des stupes, c'est l'effervescence. L'équipe dirigée par Olivia touche enfin au but après des mois d'enquête. En fait, il y a plusieurs petits réseaux. Avec à leur tête plusieurs donneurs d'ordre. Donc là, on s'est attaqué à un des réseaux, donc à un des donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre qu'on a réussi à identifier est quelqu'un qui est très peu sur Mulhouse. Mais donc, on l'a logé sur Mulhouse suite à une surveillance et une filature qui a duré plusieurs heures pour pouvoir interpeller l'individu à domicile. Après plusieurs semaines de surveillance et d'écoute téléphonique, les stupes seraient parvenus à identifier le chef présumé de ce trafic d'héroïne. Un homme qui serait actuellement en France. Les enquêteurs pense qu'il pourrait être le conducteur de la berline grise, observé par David et son équipe. L'homme qui détiendrait l'argent, ainsi que toute la drogue de ce réseau. Il se déplacerait constamment entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Alors l'équipe d'Olivia aimerait le cueillir d'urgence, avant qu'il ne repasse de l'autre côté de la frontière. Une interpellation difficile et dangereuse, car l'homme pourrait être armé. Les stupes n'ont que quelques heures pour se préparer. Le lendemain, jour J, 8h du matin, à l'étage des stupes, l'opération est imminente. Leur objectif prioritaire, c'est clairement d'arrêter l'homme qui serait à la tête de cet important trafic d'héroïne. Les policiers ont identifié son point de chute, un appartement situé à quelques centaines de mètres seulement du fameux numéro 6, surveillé par les hommes de David. Donc ça, c'est l'objectif. C'est Mika qui va donner le top, puisque c'est lui qui aura vu direct sur la bande de l'appart. Comme il y a deux appartements, il y aura deux équipes d'intervention. La première, dirigée par Michael, 36 ans, s'occupera du chef présumé du réseau. Claude, 48 ans, pilotera le second groupe. Alors donc la deuxième équipe, c'est le premier étage. Il n'y a qu'un seul appart par étage. Et là, dès qu'on a le top d'interpel, on pète la lourde. Admettons que ça bouge avant, rue de...
Admettons. C'est pas grave. On laisse. On peut annoncer, on peut suivre, on peut regarder, on peut annoncer sur la radio ce qui se passe, mais on bouge pas. La priorité, c'est l'objectif, en fait. En clair, Olivia veut impérativement couper la tête présumée du réseau avant de s'attaquer à ses dealers supposés. Une chronologie indispensable à respecter. Sinon, leur patron pourrait avoir le temps de prévenir toute l'organisation. Ils sont assez méfiants, hein, donc ils ont un accès fenêtre sur la rue, donc ils sont susceptibles de chauffer. Hein, et puis ils sont susceptibles d'avoir d'autres Albanais qu'on ne connaît pas, susceptibles toujours d'être armés. Hein. Donc il faut juste faire gaffe. Ouais. Les enquêteurs le savent. Ils n'ont pas affaire à de petits dealers de quartier, mais bien à des trafiquants prêts à tout pour défendre leur business. L'interpellation du chef présumé s'annonce dangereuse. Alors notre caméra ne fera pas partie du dispositif. Et voilà, quand vous êtes prêts, c'est parti. On est prêt. La seconde équipe se dirige vers l'appartement des dealers présumés que la BAC a surveillé pendant plusieurs jours. Leur consigne, attendre le feu vert avant d'agir. Bon, un petit peu comme dans chaque grosse interpellation et mission préparée, hein, c'est un petit peu comme partir à la pêche. On sait où on va, on sait qu'il y a du poisson, et on sait pas combien de temps ça va durer, ni combien on va en attraper, quoi. C'est le jeu. Et comme souvent dans la vie d'un policier, avant de voir ce qu'il y a dans le filet, Claude et son coéquipier vont devoir s'armer de patience. Oui, c'est bon. Bon, là, hein ? Ouais. Bon, y a plus qu'à, hein. Les deux policiers restent en contact permanent avec la première équipe, celle chargée d'interpeller la tête présumée du réseau. Une opération délicate qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Les policiers rongent leurs freins. On ne se relâche pas. On ne se relâche pas. Ouais, on reste éveillé. Derrière leur décontraction apparente, les enquêteurs cachent leur stress. Ils doivent rester concentrés pour se montrer prêts et déterminés au moment décisif. Donc là, on entend tous la montée d'adrénaline. Donc, entrée en force, méthode GIPN. Donc, tout le monde au sol, menottage. Faut pas leur laisser la moindre chance, quoi, de bouger. Que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme, ou soit pour essayer de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes, quoi. Dans quelques instants, sur D8, vous découvrirez l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois pour mettre à terre un important trafic d'héroïne. Une traque qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. À terre, à terre, à terre. Les enquêteurs sont stressés. Ils doivent rester concentrés pour se montrer prêts et déterminés au moment décisif. Donc là, on entend tous la montée d'adrénaline. Donc, entrée en force, méthode GIPN. Donc, tout le monde au sol, menottage. Faut pas leur laisser la moindre chance, quoi, de bouger. Que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme, ou soit pour essayer de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes, quoi. Les minutes défilent et toujours aucune nouvelle de l'autre interpellation. Jusqu'à ce message radio. Go. On s'approche. Après 3 heures d'attente, le top action est enfin donné. Le chef présumé du réseau vient d'être interpellé. L'objectif principal est atteint, il est hors d'état de nuire. Les policiers doivent désormais mettre la main sur les dealers présumés d'héroïne repérés par la BAC. À terre. Couché.
bouge pas. Ok, ok pour lui. Vous parlez français? Ah si. Allemand? Allemagne. Ah oui, ça je sais. Albanais, ouais, ouais. Albanais. Putain. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que ces deux. Hein? Ouais, c'est ça. Ok. À l'intérieur de l'appartement, deux individus. Mais aucune trace du fameux vendeur au parapluie que David et Lionel avaient observé en pleine transaction. Aurait-il mis les voiles entre-temps? Pas sûr que les deux hommes interpellés en apprennent plus aux enquêteurs. Fein Sie Deutsch? Non. Englisch? Non. Parla italiano? Non. Parle rien. Ouais, ok, tout de suite. Ouais, ouais, il veut pas parler. Ça se trouve, il parle très bien le français, et puis voilà. Ouais. Claude se heurte à la barrière de la langue. Non, pas sûr. Avec ces deux Albanais, le dialogue risque d'être compliqué. Héroïne, il y a héroïne ici? Drugs. Il a touché rien, là, pour le chien. Quand les policiers lui parlent de drogue, okay. L'un des deux hommes retrouve soudain du vocabulaire. Mais selon lui, ce n'est pas dans cet appartement que les enquêteurs en trouveront. Et il n'a pas complètement tort, à un détail près. Même pas ? Ils s'achèvent par la fenêtre. Ils ont... Je viens de les trouver, ils sont en bas. Ah bah tiens. Oh super, de l'héros. Le temps qu'on tente de rentrer, qu'on a pété la porte, ils ont tout balancé par la fenêtre. Il n'y en a pas d'autres, regardez bien. Non, il y en a plein, mais j'ai regardé. À l'extérieur, les enquêteurs viennent de retrouver dans le caniveau plusieurs sachets contenant ce qu'ils étaient venus chercher. De l'héroïne. 70 grammes, soit une valeur marchande d'environ 1200 euros. Et la fouille ne fait que commencer. C'est bon, allons, cherche, cherche. Centimètre carré par centimètre carré. Le plus fin limier de la brigade ratisse l'appartement à la recherche de la moindre trace de drogue. Mais au bout d'une heure, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils ne trouveront rien de plus dans ce logement. En dessous, il n'y a rien. Ça t'a fait ? Ouais. Ouais, j'ai tout fait. Ok. Donc là, il n'y avait rien malgré que le chien est... Impeccable. Fin de la perquisition. Même si les enquêteurs sont un peu déçus, ils disposent de preuves suffisantes pour placer les hommes interpellés en garde à vue. De retour au commissariat, les deux dealers présumés vont devoir expliquer aux enquêteurs plus en détail leur rôle dans ce réseau. Dans le cas d'une bande organisée comme celle-ci, les policiers ont 96 heures pour tenter d'obtenir des aveux, ou bien des éléments qui leur permettraient de mettre hors circuit ce qu'ils considèrent comme un réseau mafieux. Mais la clé de toute l'enquête, c'est peut-être cet homme d'une cinquantaine d'années, aux vêtements chics, le chef présumé des trafiquants. Yeah. Suite à la perquisition effectuée dans son appartement, les policiers des stupes ont trouvé peu d'éléments permettant de l'incriminer. Ok, choose a place. This one or this one? Well, as you want. Apparemment, l'homme aurait eu le temps de jeter toute la drogue dans les toilettes, puisque les policiers y ont trouvé quelques résidus d'héroïne. Mais ils ont également découvert, dissimulés dans la cuvette, ces deux paquets contenant ce qu'on appelle des produits de coupe. L'héroïne pure étant mortelle, les dealers n'en mettent que 15% en moyenne dans les doses qu'ils vendent. Le reste est un mélange de barbiturique ou de paracétamol, par exemple. Lors de cette perquisition, plus d'un demi-kilo de produits de coupe a été saisi. De quoi fabriquer plus d'une centaine de sachets de 5 grammes, soit une valeur marchande d'environ 9000 euros. C'est Michael qui va auditionner le chef présumé de la bande. Il est assisté d'un traducteur et d'un avocat. L'enquêteur ne le sait pas encore, mais il va avoir du travail pour le faire avouer. Beaucoup de travail même.
On va procéder à l'audition. Le nom et le prénom du papa. Il est obligé de donner son identité. C'est obligatoire. Je vais faire mais nous, on va pas pour deux autres. Donc il n'est pas d'accord de répondre à la question. Son adresse. L'adresse en France, on est bien d'accord. Son adresse. L'endroit où il habite. Donc, il dit simplement qu'il a été interpellé contre sa volonté, en fait. Ah oui, c'est... Ça, c'est quand même le cas. Je marque. Non seulement l'homme ne semble pas vouloir coopérer, mais en plus, il se moque ouvertement des policiers qu'il a en face de lui. Michael le sait, il n'a pas affaire à n'importe qui. L'homme semble sûr de lui, tranquille, une attitude qui va rapidement l'agacer. Quand il arrive en France ? Aucun en France. Tiens bon. Ce qu'on peut dire. Mon déchet, il ne sait pas répondre. Je vous demande un matin, je suis sûr. En ce qui concerne des informations entre guillemets personnelles, il ne souhaite pas en fait les partager avec vous. Le fait qu'il ait dormi au place à Mulhouse, dans un studio où se trouvait de l'héroïne, de la poudre brunâtre qui pourrait en être, des sachets de conditionnement, une balance, est-ce que ça c'est moins personnel pour lui, peut-être ? Comment ça, quand on a dit coup de... Il sait pas. Il connaît pas l'adresse, c'est ça. Il a dormi où cette nuit, c'est personnel ? Je peux fiette... Non, on connaît pas le... Il sait pas. C'est pourtant bien à cette adresse que l'homme a été interpellé le matin même. Face à une telle évidence, le suspect n'a qu'une seule réponse, l'insolence. Parce que là, les questions que je pose, les réponses, je les trouverai pas que le passeport, ce coup-ci-là. Je vais y trouver comment mes réponses. Cherchez où ? Il y a un peu trop de temps. Il vous demande si vous savez où il a dormi. Oui. Encore plus. On lui pose la question, il demande. Le chef présumé du réseau a réponse à tout. Enfin, plutôt à rien qui ne puisse intéresser l'enquêteur. Et plus l'audition dure, plus l'homme se renferme sur lui-même. Il semble bien renseigné sur ses droits. Et tant qu'il n'est pas mis en examen, il peut garder le silence. Comme Michael ne peut pas l'obliger à coopérer, il va tenter une approche plus en douceur. En fait, souvent, quand on ne s'explique pas, quand on est silencieux ou qu'on raconte des conneries, ça laisse supposer qu'on est assez haut placé dans la hiérarchie, simplement. Le simple vendeur, lui, dit « moi j'ai vendu » et puis il compromet que c'est dans son intérêt. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris ça, en fait. Il n'y a pas de piège. Tu veux dire, il y a un autre temps. Il dit que dans la vie, on peut se retrouver au mauvais moment. Oui. Il ne souhaite pas, on peut te répondre aux questions, tout simplement. On arrête. Je suppose qu'il n'a rien à ajouter, parce qu'il a rien dit. Il peut pas rien, on peut rien retrancher en tout cas. C'est sur un bout. Il est vraiment désolé par rapport à son comportement. C'est pas du tout vis-à-vis de vous qu'il n'a pas répondu. Fin de l'audition. L'homme ne dira rien de plus sur les éléments probants que les policiers ont retrouvés lors de son interpellation. Rien sur les traces d'héroïne découvertes dans les toilettes de son appartement. Rien sur les produits de coupe. Rien sur la balance de précision généralement utilisée par les vendeurs de drogue. L'homme ne nie même pas. Il invoque simplement le droit au silence. En le ramenant dans sa cellule, Michael va pourtant tenter une dernière fois de l'amadouer. Si j'étais toi, je parlerais. Ah ouais. Franchement. En France, les juges aiment bien quand les gens y parlent. Même s'ils reconnaissent, au contraire, s'ils reconnaissent leurs erreurs, c'est mieux. Voilà. Pourquoi moi, pourquoi ? Je ne comprends pas. Bien. Allez. Mais rien n'y fait. L'homme reste de marbre. Non. Okay, c'est bon. Thank you. Alors, pour obtenir des aveux, les enquêteurs vont devoir compter sur les occupants des autres cellules. Michael est volontairement passé devant eux, accompagné de leur chef présumé. Maintenant qu'ils le savent sous les verrous, peut-être seront-ils plus bavards. La stratégie des policiers est simple. Entendre les deux hommes simultanément, mais dans deux pièces séparées,
afin qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord sur une version des faits. Parlez un petit peu. Ouais, allez, on y va. Mais comme souvent dans les affaires de trafic de stupéfiants, les enquêteurs vont être confrontés à la loi du silence. Je vais lui montrer une photo. S'il connaît. Vas-y, achète pas ça. Non. Jamais vu. Course jamais. Jamais vu. Jamais. D'accord. Même pas, tiens, peut-être il ressemble à quelqu'un qui... Ah, non, je t'en achète une jaille, je m'en ai quand. Qui chante ce qu'il n'y a pas encore. Non. Non. Et dans l'autre pièce, même son de cloche. On peut réfléchir un moment, hein. On peut réfléchir. Hein. Yo, hein. Yo, hein. Non. Non, jamais vu. Plie, c'est faux que nous t'aimes pas coup, supplie, pour tout, yo. Je ne connais pas. Peut-être qu'après, dans l'avenir, il y a que peut-être cette personne m'a déjà vu en Albanie ou quelque chose, mais je peux vous dire que je n'ai jamais mangé avec lui. Et j'ai pas eu de contact avec lui. D'accord. Je ne l'ai jamais vu en France. À les entendre, les deux vendeurs présumés n'ont jamais vu cet homme, que les policiers pensent être le chef de leur mafia. Ils affirment être pour la première fois en France. Ils y seraient arrivés par hasard il y a moins d'une semaine et auraient été hébergés par un inconnu. Pas vraiment le genre de réponse qu'attendaient les enquêteurs. Il leur faut obtenir des aveux pour espérer faire tomber toute l'organisation. Alors ils enchaînent les auditions. Oui. Pour quelle raison vous êtes venu en France ? En amour, en fait, pour faire des vacances, parce que c'est la première fois de toute ma vie que je viens d'Europe. Hein. Ok. Est-ce qu'il connaît des gens en France ? Non. Personne. Astral. Personne. Les dealers présumés ne lâchent rien. Leurs discours respectifs sont parfaitement rodés, comme si le scénario avait été répété à l'avance. Connaissez-vous du monde sur les routes ? Personne. C'est un hasard, en fait. André, c'est France, non France. Je m'étais mis en tête la France, c'était comme un rêve. Hein. Parce que Mulhouse, c'est un rêve. Non, Mulhouse, France. Non, pas Mulhouse, la France. Un petit en copine de Mulhouse. Moi, j'en sais rien. Je trouve. Et là que t'en es. Enfin, c'est là que je me suis retrouvé, c'est là que je suis resté. Vous avez fait quoi pendant ces quelques jours en France ? Rien. Vous n'êtes pas sorti de l'appartement, vous avez rencontré personne ? Quatre, j'ai fait des tours comme ça, enfin, je me suis baladé comme ça sans but. J'ai embêté, dragué des filles. En Albanie, je manque pas de succès. Ah, c'est bien. Et quand les enquêteurs évoquent la saisie d'héroïne à leur domicile, les deux hommes gardent leur sang-froid et nient tout en bloc. Donc tout ça, 10 sachets, hein. Ce qui a été trouvé dans la rue, ok. Il y a une réaction, donc c'est positif à l'héroïne. C'est l'héroïne qui est dedans. Ouais. Héroïne classée comme stupéfiant. Donc dis au seigneur, faut ça mal à l'aise. Je sais pas, moi je ne comprends pas ça, je sais pas ce que c'est. D'accord. Est-ce qu'il aurait vu jeter un objet par la fenêtre avant la venue de la police ? Yeah. Non. Qui les a achetés ? Couché carré d'attente. Comment je saurais ? Est-ce qu'il y était dans l'appartement ? C'est pour ça que la chaîne est une bannée, c'était de Medit. À ma connaissance, il n'y avait pas de drogue et rien d'autre là-bas. C'est dit. J'en ai jamais composé, vous pourriez me mettre dans les ingrédients d'un plat, je mangerai parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Après plusieurs heures de garde à vue, la patience des enquêteurs atteint ses limites. Non mais à un moment donné, il faut au minimum assumer ce qu'on a dans les mains. Pour partir at chaque bon de moment parler. Ça s'appelle être un bonhomme. Parce que là ça veut rien dire. Moi je suis un homme et la responsabilité que je prends, c'est d'être resté dans le domicile d'un autre sans savoir ce qui s'y passait. Si c'est pas vous, c'est qui alors ? Ça je ne sais pas. Moi j'ai aucune explication à vous donner là-dessus. Ah, Snook dit Joe Fire, quotidien. Je ne sais pas du tout à qui c'est. Il est mort tout, même foutre mon main. Et c'est tout ce que tu as fait, c'est que tu as pris la drogue ici au commissariat pour me le coller sur moi. Pour pouvoir me. D'accord. Ok.
très lundi. Impertinence et loi du silence. C'est tout ce que les enquêteurs obtiendront durant ces 96 heures de garde à vue, bien loin des aveux qu'ils espéraient. Mais grâce à cette interpellation, ils sont persuadés d'avoir démantelé un des réseaux de trafic d'héroïne de Mulhouse. Et ils ont rassemblé assez de preuves matérielles pour renvoyer les trois hommes devant la justice. Des traces d'héroïne, des produits de coupe et une balance de précision découverte chez le chef présumé du réseau. Ainsi que 70 grammes d'héroïne emballés dans des sachets retrouvés sous les fenêtres des revendeurs présumés. Ce qui était important pour nous, en fait, c'est de réussir à interpeller les acteurs. Les découvertes après en saisie sont accessoires. On suppose qu'ils vont être remplacés très très rapidement, comme c'est généralement le cas, par une autre branche ou même par la même branche mais scindée différemment. Mais je pense qu'on a mis on a mis un coup d'arrêt à cette branche-là, en fait. On a réalisé une petite saisie, mais largement suffisante pour établir les responsabilités de chacun et leur accrocher le reste de la procédure. Les éléments saisis ont donc permis de présenter les trois hommes à un juge, qui les a mis en examen et placés en détention provisoire dans l'attente d'un procès. Pour trafic de drogue en bande organisée, ils encourent jusqu'à 30 ans de prison et 7 500 000 euros d'amende.